Salut tout le monde, c'est Vandrak et on se retrouve pour une troisième vidéo sur Super Mario Bros. Wonder. Donc nous sommes toujours sur le monde 1, faut bien se le dire. Nous sommes toujours sur M1 plein des tuyaux. Qui est, comme je disais à la fin de la vidéo précédente, ce monde est infini en fait. Je sais pas combien il y en a, mais c'est infini. Nous avons quelques graines loupées, mais bon, en majorité, on s'en sort plutôt pas mal quand même. Hein. On a quand même fait des niveaux 3 étoiles à 100%, hein, comme on peut voir avec le petit badge bleu derrière les collectibles à gauche de l'image. Après, il y a des graines cachées comme celle-là. Je ne sais pas où elles sont. Je les chercherai, je pense, plus de mon côté qu'en vidéo, parce que chercher, c'est... Ça risque d'être ennuyeux, je pense, hein, de fouiller les niveaux pour trouver les trucs. Bref, sur ce, nous allons continuer hein, avec un petit défi badge, le saut d'escalade. Je m'en suis pas encore servi du... Je sais même pas si je l'ai, je crois pas l'avoir, en fait. Ils doivent te le donner, je pense, pour le défi. Enfin, ils doivent te le donner quand tu fais le défi, très certainement. Sauter contre une paroi et appuyer sur A pour sauter à nouveau. Ah, on n'a pas le wall jump d'origine, en fait. Allez, vas-y. Ah si, on a le wall jump, c'est juste que là, ça te fait sauter en restant comme ça, d'accord. Voilà, là, ça, c'est le wall jump, et ça, c'est le machin avec le badge. Mais non, mais saute, par contre. Mais... Allez, hop, ouais, on va le faire comme ça. Je pense que c'est plus comme ça qu'il fallait le faire. Et hop, là, boum. Ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Ok, une petite graine de plus. Et beau travail! En plus, on a reçu le badge que tu viens d'utiliser en cadeau. Voilà, toi, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, il nous le donne quand on fait le défi, en fait. Et je peux m'en équiper si tu veux. Non. Je garde mon machin pour planer. On va faire une difficulté 4, hein. On va essayer de trouver tout, on va essayer, on va voir comment on s'en sort. Difficulté 4, on a fait que 3 maximum pour l'instant, là ça a changé de couleur en plus, les étoiles elles sont plus jaunes, elles sont plus orange-rouge. Ah, on est direct sous LSD. Ah mercredi. Non 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 non, je veux la. Ah, j'ai compris pourquoi ça s'est arrêté l'autre coup en fait. C'est parce que dès que tu descends. Voilà, dès que tu descends des bestiaux là en fait, ça te. Ça arrête le truc. Mais c'est chaud. Difficulté 4, c'est chaud. Je sais pas s'il y a une difficulté au-dessus, mais là, c'est chaud. Pour rester sur le train de bestiole, là, c'est hard. Hein.
J'ai pas appuyé sur le bidule bleu. Ah, ça m'a gardé la pièce là. Ah, tant mieux. Non. Et zut, j'ai loupé celle-là, mais c'est pas grave. On a la crème. Et je défonce ça comment? Je défonce ça comment là en fait? Il doit y avoir un truc derrière, mais je défonce ça comment? Oui, il manque une grosse pièce violette. Et le secret qui est derrière ce truc, je sais pas comment on l'a. Et le drapeau. Et ouais, difficulté 4 hein, quand même. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ces blocs. Il y a un truc. Il y a un truc derrière les blocs, mais quoi? Ça nous dit pas qu'il nous manque une graine? Il nous manque des trucs, le drapeau, bah, la pièce, ouais, machin, ouais, je sais pas. Je sais pas, bon, allez. Non, je voulais faire un truc, mais en fait, si je le fais puis que je quitte le niveau, je garde pas ce que j'aurais récupéré, donc non, bon bah tant pis, on part comme ça. Hein. Château de boss, direct, sans bonus. Et là, je pense qu'on va changer de niveau. On va reprendre le palais. N'oublie pas que tu peux appuyer sur R si tu veux que je change de badge. Oui, mais ici. En niveau, tu le fais pas. Mais je t'en prie, c'est moi, là. C'est Daisy. Elle est très bien, Daisy. Je la trouve même mieux que Peach, c'est pour te dire. Oh, sympa pour toi. C'est pas sympa quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah yes, merci. Juste un champignon, ça. Mais ça va le tuyau qui pousse là, puis qui m'empêche de récupérer le truc? Je te dérange pas. Et je me suis jeté dessous, hein. Comme un gros poulet. Ok, rien d'autre. Non. Oh, le réflexe. Je sais pas d'où il est sorti celui-là, mais il est sorti. Hein. Le réflexe du wall jump là, je sais pas d'où je l'ai tiré mais je l'ai eu. Ah d'accord, ils sont en deux étapes ceux-là. C'est pas tué direct. Comment je vais prendre ma pilule là? Comment je vais récupérer ma drogue? Ok. Parce que je suppose qu'on en a besoin. Oula, 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 oula. Quelque chose là. Ah, il y a bien quelque chose. Et...
contre, comment on récupère Comment on va récupérer ça, je sais pas. Ça, y a pas trop de soucis, ça j'avais compris. Le tuyau qui tombait, je me doutais bien qu'il allait pas s'arrêter. Il allait couler, quoi, je veux dire. L'autre truc, comment on casse les blocs sur le côté comme ça, Ah, il manque juste celle-là en plus. Il me manque juste cette grosse pièce. J'en étais sûr. Ah, des fois il y a des trucs là, des blocs cachés, mais là non. J'en étais sûr, j'étais pas assez bon pour ça. Déjà lui? Et vous croyez que vous allez m'arrêter? Bon, c'est d'accord, je veux bien jouer avec vous. Ce palais est tout plein de la puissance prodigieuse de mon papounet. En gros, vous avez aucune chance de me battre, mais je vais vous laisser essayer. Ça va être rigolo. Alors, est-ce qu'il fait que le sol ou est-ce qu'il saute à un moment donné? Je ne sais pas. Je veux dire, quand il est en carapace, est-ce qu'il roule juste par terre ou est-ce qu'il saute aussi? Je sais pas. Ok. Ah d'accord, super, merci. Est-ce qu'il tâche sur moi, bien sûr. Oh putain. Oui, tu fais quoi là? Ok. Ok, c'est quoi là? C'est l'inverse? Ah ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais que ce serait l'inverse la troisième phase. Du coup, je fais comment? Et mercredi. Mais non, mais arrête de vouloir me faire changer de truc. Mais j'ai plus de bonus du tout là. Du coup. Je suppose que c'est comme ça qu'on casse les blocs sur le côté. Faut y aller avec l'éléphant. Oh, mais je peux pas, évidemment. Et par contre, j'ai pas de deuxième bonus, hein, donc faut pas que je me foire. C'est bon, on l'a déjà vu. Ok, donc on connaît, c'est bon. On connaît. Alors là, ça par contre, c'est la phase la plus casse-pied. Ok. Deux coups suffisent. J'aurais pu le finir du premier coup, du coup. Si je m'étais pas foiré. Si j'avais pas sauté en même temps que lui, j'aurais pu l'avoir direct. La graine royale obtenue. Et ce n'est que la première.
alors fini, fin de jeu. Voilà. C'est bon. Fini. Voilà. Bon, bah, très court. Hein. Ça valait pour le prix. Ça valait pour le prix payé. Hein. Sérieux, là oh, c'est trop court. Ça fait cher au jeu Nintendo, là. Et nos héros avaient enfin repris le contrôle du palais. Tenant fermement la crène royale, ils se mirent à poursuivre Bowser, qui avait fusionné avec le château. Pourront-ils empêcher Bowser de mettre à exécution ses plans diaboliques? Nous le saurons dans la suite de nos aventures dans Super Mario Bros. Wonder 2. Non, je rigole, évidemment. Dans le monde 2, et ainsi de suite, je ne sais pas... Combien il y en a, toujours? Non, je me répète, je sais. Un peu plus loin se trouve le cœur du royaume des fleurs, un archipel que l'on appelle les îles florales. Ok, tâchons de rattraper Bowser. Ok, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Non mais j'ai pas eu le temps. Tais-toi. 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 Bowser ne doit pas être bien loin. Ouah, ah, c'est quoi ça? Les nuages piranhas ne laissent passer aucun empêcheur de tourner en rond. Ce qui veut dire que j'ai tout le loisir de canaliser la puissance prodigieuse. Dès que j'aurai amassé de quoi faire un grand prodige, je pourrai enfin faire main basse sur le monde. Bouah. Bouah. C'est épouvantable. On peut vraiment rien faire pour l'arrêter. Ben non, 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 tu vois, on le laisse faire. Oh, mais que se passe-t-il? Reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Mais où est parti mon nuage piranha? Qu'est-ce que vous avez fait au juste? Il reste 5, c'est ça. Si je pouvais retourner sur la map, s'il vous plaît. Toute cette puissance avec une crème royale seulement. Eh bien, la voilà notre solution. Et je sais que c'est beaucoup demandé, mais est-ce que tu pourrais m'aider à récupérer d'autres graines royales? Non. Ce sont les trésors du royaume des fleurs, et je crois bien que c'est grâce à elles qu'on va le sauver. Les graines royales chasseront les nuages piranha qui entourent Bowser. Chassons-les tous et on pourra l'atteindre. Ouah, merci! Très bien, allons par exemple situé au sommet du mont nébuleux au nord. On devrait trouver une graine royale. Ok. Donc là, on a des graines oranges cette fois. C'est plus des graines bleues, c'est des graines oranges. Je veux la carte globale. Donc nous avons le monde 1 plein des tuyaux à gauche. Le monde sombre en bas. Ça fait 3 être le violet à droite. 4, 5, 6. Ouais. Les îles florales, c'est en fait le hub central. C'est pas un monde. Donc là, faut qu'on aille au monde 2 en haut. Donc il y en a 6 mondes et le hub central. Si j'ai bien compris. Ah, d'accord. En haut, au-dessus du Vernon, c'est donc la graine royale qu'il nous fallait. Ok. Par contre, ça nous dit pas à combien de pourcentage on en est. Savoir combien il nous reste de trucs à récupérer. Là, il en reste 2. Ça fait 3. Il reste 4 graines. Une pièce violette avec un drapeau. Deux pièces violettes. 4 graines, 2 pièces violettes. Ok. Les îles florales. Les îles florales sont au centre du royaume des fleurs. Ces îles sont entourées par les autres régions. Le mont nébuleux se trouve au nord. Sur la carte globale, vous pouvez voir comment les îles florales sont reliées aux autres régions. C'est bien ça, c'est le hub central donc. Pour accéder à la carte globale, appuyez, on s'en fout. Cabane du pêcheur. Ce voyou a fait fuir tous les poissons. Il n'y a pas moyen de pêcher avec lui dans les parages.
Mais c'est terrible, je dois absolument intervenir. Ne t'inquiète pas, nous chasserons Bowser. Les poissons reviendront dès qu'il sera parti, je te le garantis. Oh, vous allez vraiment faire ça pour moi? Oh, j'ai les pétales qui frétillent à cette simple pensée. Et d'ailleurs, je peux vous aider. Prenez cette graine prodige que j'ai pêchée il y a longtemps. Elle est super belle. Chaque monde a ses propres graines d'une couleur distincte. C'est la classe. Encore plus facile que les interludes. Juste à discuter. Voilà. Ok, facile. Facile. Easy le jeu en fait. Allez, on est reparti. On est reparti sur un machin où on va pouvoir se perdre dans les niveaux. Ça c'est un défi badge. Ça c'est un... Et ça il faut deux graines. Donc de toute façon je ne peux pas. Maîtriser le badge. Sous l'eau, appuyez sur R ou secouez la manette pour accélérer brièvement. Mais c'est juste sous l'eau. Hein. Mais arrête de fuir, reviens. Merci, la troisième elle est où? Là j'en ai deux à poursuivre, mais la troisième j'en ai pas. Elle est partie à droite. Vu. Ah, c'est chiant, j'ai le doigt qui glisse du joystick, évidemment. Hein? Hein? Oh, mince! Je pensais pas qu'on pouvait louper ça en fait. D'accord, bon bah j'ai loupé. Super. C'est pas grave, c'est pas grave. On saute, merci. Ok, donc j'ai loupé une pièce, ça commence. Le monde 2 commence très 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 bien. Ah mais c'est super chiant en fait, parce que... Faut avoir un super bon timing pour que ça aille bien. Sinon tu perds un peu de vitesse à chaque fois entre deux trucs. Beau travail. En plus on a reçu le badge, oui mais... Non. Quoi que ça se trouve, il va nous être utile. On va savoir. Si ça se trouve, il nous le serait utile. Oh, il mange ça. Ok. Allez, je voudrais savoir s'il y a un truc en le tuant. Oh, évidemment. Ah, que dalle. Ok, juste des pièces. Y a rien. Ok, elle est partie pour le niveau. Je traîne, mais j'ai envie de prendre mon temps en même temps. Super, merci. Super. Super, j'ai adoré. J'ai adoré ne pas pouvoir réagir à temps parce que je l'ai vu que trop tard. Mais c'est sûr que le badge pourrait peut-être nous être utile en fait. Ouais, parce que là,
On va être sous l'eau plus que dans les airs, à mon avis. Faudrait que je change. Je reviens en arrière parce que des fois il y a des trucs cachés. Hein. Non, il n'y a rien. Ok. C'est une perte de temps. Mais je préférais ça. Que de louper un truc. Rien. Ok. J'ai pas envie de toucher le plafond. Vu la forme des trucs, j'ai pas envie de toucher le plafond. Ok, alors c'est pas intuable. Oh mais. Ah oui. Je voulais voir si ça marchait, bah non. Ah, quoi que. On n'envoie pas d'eau, mais on peut faire ça quand même. Ok. Ok, ça marche. Et à combien de checkpoints là? Non, reviens. On peut les louper. D'accord, on peut les louper. Oui, salut. Ok. Ah bah, on peut les louper. Et bah, je le saurai. Je suis content de le savoir, maintenant. Après l'avoir loupé. Je suis content de le savoir maintenant. Ouais, on va changer de badge. Si on est sous l'eau tout le temps, ça va pas le faire. Ah bah du coup j'ai loupé ça. Parce que j'ai loupé le... La petite pilule de LSD. Ok, la petite drogue. J'ai dit que je changeais de badge, et c'est donc le dauphin. Ah, on n'est pas encore dans le monde 2 en plus. Ok. Je voulais vérifier. C'est bien ce qui me semblait. Hein? Attends. Un tuyau rouge. J'avais pas vu le tuyau. Ouais, mais ton tuyau rouge... Oh, et oh. Ça commence donc à être bien compliqué là, pour pas grand chose. Vos bêtises. Ouais, mais le tuyau rouge il est pas accessible. Ouais, mais je suis... Y'a un truc que j'ai pas essayé.
avec ça. Eh oui. Eh oui, 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 oui. Mais elle est bien fait de changer de badge en fait. Ouais. J'ai surtout trouvé la pièce violette. Du coup, ça a coupé. Ça a coupé du coup. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de vent. Non, il va falloir que j'essaye tous les tuyaux, quoi. Ah. Ouais. Ah, soit je suis vraiment pas doué, soit il n'y a rien. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Alors, on sait que les machins de drogue sont loupables. On va essayer, tu verras. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas ce que je voulais faire. À faire avec lui, non? Rien du tout. Bon. Non mais j'ai envie de tout fouiller parce que j'en ai marre de louper des trucs en fait quoi. Bouge, 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 bouge. Tout ça pour ça. Ça valait le coup. Tout ça pour faire le tour du truc et revenir au point de départ. Ça valait le coup. Hein. Mais quel... Attends, tu me dis qu'il y a tout ça pour rien. Tu vas me dire qu'il y a tout ça pour rien. Attends quoi? J'ai pas compris là. Ça sert à quoi en fait de faire ça? Ça va rien en fait. C'est la grosse arnaque. Ah bah non, d'accord, fallait déclencher le truc. What? Mais oui, non mais... Forcément, je m'y attends pas.
Attends, je voudrais me mettre une sécu quand même. J'y vais pas avec la nage dauphin parce que... Ne voyons pas ce qu'il y a au-dessus. J'ai plus ma casquette magique. Je peux plus ralentir la chute. T'as trop d'eau dans les oreilles ? Bah un peu si. Bah t'as vu ? T'as vu le bordel ? Oups là. Oh le bordel ! Ok. Non mais je m'attends. C'est un gros délire hein, leur truc quand même. Je m'y attends jamais quoi. Ils vont forcément réutiliser des trucs qu'on a déjà vus, mais waouh quoi. Oh là là, j'ai vraiment eu peur. Normalement les oiseaux, je les regarde de très loin. Mais bref, après toutes ces émotions, j'ai besoin de quelque chose pour me changer les idées. Et justement, il paraît que Poplin vend un badge lié au bloc. Un badge lié au bloc. Souviens-toi que si tu veux changer de badge, oui, on sait. Ça déjà. Ce badge ajoute des blocs au stage. Ces blocs peuvent entre autres servir de plateforme ou contenir des objets. Attends, voilà. Ça veut dire qu'il va falloir utiliser des badges spéciaux dans chaque niveau pour débloquer des trucs. Là par exemple celui-là rajoute des blocs qui peuvent servir de plateforme pour atteindre des zones que tu pourrais pas atteindre normalement, je pense. Hein. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Pour pouvoir aller chercher des graines à la con, à la noix, des graines, enfin pour aller chercher des trucs. Non. Va falloir essayer tous les badges dans tous les niveaux pour pouvoir savoir qui fait quoi. Enfin, qui a besoin de quoi. Wow. Ça va être chaud, hein. Bref. Ouais, on en est à la troisième vidéo, c'est ça? Ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve prochainement avec l'escalade du nid de Sarbacan. Et donc, on attaquera très certainement le monde 2 dans le prochain... Dans la prochaine vidéo, le monde nébuleux. Ouais, le jeu va être long, quoi. Enfin, si tu le fais d'une traite, non, à mon avis, ça va vite. Mais si tu le fais en essayant de chercher un petit peu, ça va être... Ouais. Bref, sur ce, je vous dis ciao et à très très vite pour l'épisode suivant. Allez, bye bye.